les bords. Au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Bonjour, merci de votre accueil ô combien chaleureux et bon week-end sur TF1. Bonjour. Alors, je sais pas ce qu'il fait là-haut, mais c'est mon voisin du 13h qui est très sympa. Mais je sais pas, il doit faire un barbecue. En fait, c'est la journée sans tabac aujourd'hui, alors personne ne fume. Que ce soit, clairement, c'est la journée sans tabac. En revanche, elle est matchée à des voisins qui fument ou qui ne fument pas. Aujourd'hui, nous allons faire rimer voisin-voisine avec copain-copine. Nous accueillons donc des voisins-voisines. Laissons entrer le soleil de nos voisins et voisines. Salut les poètes! Christophe et Sébastien! Vous allez bien? Impeccable. C'est beau en plus, ah bah, soleil. Ah bah attendez, il y a le soleil, vous arrivez. Édouard et Alexis. Salut les voisins. Jean-Marie. Attention à la marche. Ah bah, attention à la marche. Ah bah oui. Hein. Sandrine et Virginie. Un bisou. C'est important les bisous. Le bisou de Lily. Bonjour à vous. Et enfin, accueillons Raphaël et Christophe. Salut. Salut. Ouvrons les portes, bien sûr, chez vous également, chaque midi sur TF1, y compris le week-end. Je vous souhaite un bon appétit spécial voisin-voisine. Je pense qu'on va bien s'amuser comme chaque midi. Salut. Seb, c'est moi. Christophe, c'est moi. Expliquez-nous votre rencontre de voisins-voisines. Bah, en fait, ça fait déjà 15 ans qu'on se connaît. Ok. Parce qu'on est des amis de rugby déjà. Donc, amis de rugby, d'accord. Et puis on était voisins depuis 3 ans parce qu'il habitait en bas de chez moi et puis voilà. Dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Sympa dans l'immeuble. Ouais, très bien. Ouais. Pour être un bon voisin, Sébastien, il faut... Une bonne bouteille. Une bonne bouteille. Ok, ça c'est clair, c'est net et c'est dit. Alexis et Edouard, vous, la rencontre... On a bossé 2 ans ensemble, on a fait une classe prépa. Et puis on a eu la chance d'intégrer la même école. Donc on a pris des chambres côte à côte. Des chambres côte à côte. Ouais. Et donc voisin, vous êtes en fac, en école En école de commerce, oui. École de commerce, ouais. Combien d'années? Là, c'est la première année, on en a pour 3 ans. Vous avez pour 3 ans à être voisin? Ouais, a priori, ouais. Eh bien, écoutez, plutôt sympathique, sympa. Salut les voisins, vous allez bien les potes? Ouais, ouais, ça a l'air de bien se passer. Accueillons Virginie et Sandrine, deux copines, deux voisines. Vous-même, la rencontre s'est passée comment, vous? Eh bien, nous, ça fait 2 ans et on s'est rencontrés en sortant les poubelles. Voilà. Mais c'est sympa. Oui, c'est sympa. Et alors, depuis Depuis, on est devenus copines et donc on prend le café, on fait des petites soirées et puis voilà. La meilleure qualité pour être une voisine, ce serait? Ce serait que la voisine et tout, comme ça, moi, je peux aller voir la voisine quand il me manque quelque chose. Ah oui, ça, c'est important, ça. Et c'est vous, pratique. Sandrine, la qualité d'une voisine première? Pareil, être serviable et puis... Toujours dispo. On s'entend, voilà, toujours dispo. Vous entendez bien depuis 2 ans. Très bien. Et accueillons donc 2 garçons dans le vent, Christophe et Raphaël. Comment c'est venu tous les deux alors? On a fait du handball ensemble. Oui. Et il y a 15 ans, il a déménagé à côté de chez moi et depuis, on est voisins. Ok, d'accord, mais ça s'est mal passé ou ça va quand même? Non, c'est bon. Ok, d'accord. Dites-moi, Christophe, vous avez un petit accent, non? Ouais. Okay. Du Luxembourg. Ah, vous venez du Luxembourg? Ouais. Et on vient du Luxembourg pour jouer avec nous. C'est très gentil, les voisins. C'est sympa. Accueillons ceux qui sont voisins au quotidien. Ils viennent deux par deux, se tenant la main dans la main. Ce sont les potes! Bonne première question. Enfin, je le dis parce que c'était mardi dernier, immeuble en fait, donc nous avons ouvert nos portes et ouvert nos potes. Et la question première nous dit sur 100 Français, combien pensent que leurs voisins, voire même leurs voisines, les espionnent? Oh, que c'est bon, ça. Vous votez assez rapidement, les garçons. Les filles, c'est déjà fait. Sébastien, Christophe... 15 pensent que leurs voisins les espionnent. Qu'est-ce qu'il y a? Le public, il râle déjà? À peine on arrive, ça y est, il râle. Alexis, Edouard... On a mis 24. Vous avez mis 24, pensent que...
Bien. Virginie, Sandrine. 33. Pense que... Il n'y a que des parano dans le public, apparemment. Christophe, Raphaël. 23. 23 pensent que leurs voisins les espionnent. Vous, vous avez tendance à regarder à côté chez les voisins? Non, non. Non, non. Pas du tout. Et les voisins ont tendance à regarder chez vous? Ah, ça, je sais pas. Ok, d'accord. J'aime bien les Luxembourgeois, moi, de toute manière. Quelles sont les spécialités au Luxembourg? Joute-moi de quoi de bone. Pardon? Joute-moi de quoi de bone. Joute-moi de quoi de bone. Grand paquiche, le chat. C'est quoi les joute-moi de quoi de bone? C'est de la viande avec des haricots. Avec des haricots? On va en reparler tout de suite. La réponse aux voisins qui les espionnent est de... 19. Eh bien, figurez-vous que les garçons, Seb et Christophe, sont les plus proches de la réponse. Les filles, malheureusement, vous perdez un pote. Vous perdez un pote qui s'en va... Ils sont en forme aujourd'hui. Le public, je sais pas si c'est parce que c'est le week-end ou quoi, hein, mais alors vous êtes super beaux. Hein. Alors, je vais vous donner un mot. Vous allez me dire à quoi il vous fait penser. C'est important. Je vais vous parler de moumoute. D'accord? Virginie, je vous dis moumoute, vous me dites... Perruque. Perruque. Sandrine, moumoute. Moumoute des gants, je sais pas. Moumoute des gangs. Des gants. Des moufles, les moumoutes. Des moufles, moumoutes, gouttes. Très bien. Alexis, moumoute. Dany, mon prof de maths. Hé, les enfants. Dany, mon prof de maths. Il a la télé? Je sais pas, j'espère que non. Eh ben, il a une moumoute violette. Là, il a une moumoute. Violette. Violette, c'est-à-dire. Bah, ça fait des petits reflets au soleil. Et... C'est sympa. On va parler de fourrure. La fameuse fourrure. Donc des poils. Des poils de fourrure. Question. Quelle est un jour la durée moyenne d'une gestation d'un voisin... D'un fils? Désolé, excusez-moi. Attendez. C'est pas évident d'abord le week-end, OK? Je suis là 361 jours par an et de temps en temps, j'ai la fourche qui est longue, même le week-end. Quel est ton jour, la durée moyenne de la gestation d'un vison? Ah, pas d'un voisin, ça n'a rien à voir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Ami. J'espère que ma langue ne va pas fourcher. C'est un mustélidé, un vison comme la fouine, le furet ou la belette. Mustélidé, merci infiniment de ces précisions. J'en apprends au quotidien grâce à vous. Alex, Edouard. Ben 180. 180. Les filles. 22. 22 jours la durée de gestation d'un vison. La gestation, Raphaël, d'un vison... 32. 32. Sébastien, Christophe. 200. 200. C'est un gros vison. C'est un bon gros vison. Oui. Vous connaissez le mucidé, le... Mustélidé. Le mustélidé. Du tout. Eh ouais. Ben, c'est des visons. C'est vison. Mais 200 gestations, ouais. C'est une bonne petite gestation. Hein. Ah, mais non, bien entendu, là. Et la réponse est de... Eh ben, 51 jours, Christophe et Raphaël, le Luxembourg, se portent bien. Malheureusement, père d'un pote, nos rugbymen, qui... La question suivante est en musique. Can you feel it? Quel est en euros le montant maximal d'une amende en cas de tapage diurne?
pendant la journée, donc, ta page diurne. Alors, je vais vous définir l'article R48.2 du Code de la Santé publique. Ta page diurne comme ta page nocturne sanctionne l'émission de bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou de la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. C'est tel votre... est l'article. C'est votre 48.2, ça? Oui, il y a à ne pas confondre avec le 49.3. Rien à voir. Virginie, Sandrine ont répondu 35. 35 euros si on fait trop boum boum pendant la journée. Stoff, Raphaël. 300. 300 euros si on fait trop de bruit pendant la journée. Vous avez répondu combien les rugbymen? 85. 85 euros l'amende en cas de tapage diurne. Il y a un voisin 82, qui... 82. Ah, 82. À 82, ouais. Ah, vous avez mis le Tarn. 82, c'est le pays du rugby aussi. L'école de rugby. Tarn et Garonne. Tarn et Garonne. Tarn... Ah oui, Tarn 81, pardon, excusez-moi. Alex, Edouard. 99, mon ami. 99 euros. Il y a un voisin qui est un peu... Ouais. Vous avez un voisin qui... Oui, il y en a même plusieurs, oui. C'est Patrick Bruel à 2h du mat. C'est... Patrick Bruel à 2h du matin. Oui. On a manqué Saint-Jean. Oui, mais c'est à pas... plein tube. C'est pas vrai. C'est horrible. À 2h du matin, oui. Bruel, ça doit... Ça fait mal. Qui est en... Et quelle est la réponse, mes amis? En euros, le montant d'une amende. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons? 450 euros! Vive le Luxembourg! Vous êtes le plus proche! Mais bien sûr! Et malheureusement, on va perdre les seules femmes de la matinée. Mais on va leur offrir un appareil photo numérique porte-clés! Chacun! Parce que ça, c'est important. Et je vais quand même juste vous poser une question, parce que bon, vous êtes connus, bon, sortant les poubelles, tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu un voisin ou une voisine toute nue? Toute nue. Non, non, Virginie, on peut parler. Y a, attendez, on est oui, entre y a amis. Personne. Vous en avez déjà vu? Oui. Ah. Et alors? Bah rien, j'ai eu peur, j'ai refermé mes volets. Je comprends. Raphaël, vous avez déjà vu un voisin ou une voisine nue? Une fois, une voisine. Et... Mais pas complètement, parce qu'elle se frottait le dos avec la serviette. Mais elle était de face ou de dos? De dos. Ah, de dos? Ouais. Ah, donc vous avez vu le popo, alors? Oui. D'accord. Le popo et la serviette, en fait. Voilà. C'était très beau. C'était très beau. Ouais. La question suivante est la question... co. En anglais, la question... N. Mm. Yes, I love it. That's the question... cocaine. Sur 100 Français, combien ont déjà vu un de leurs voisins tout nu? En anglais, the naked neighbor. C'est important de lire aussi en anglais. Pour nos amis Raphaël, Christophe, vous avez répondu... 23. 23% ont déjà vu leurs voisins tout nu. Vous aviez pas entendu? Ben, faut écouter. Si vous voulez me dire dans le public, il y a un numéro de téléphone, c'est 0825 03 0201. Il va s'inscrire là. Vous le voyez ou pas? Eh ben, il faut regarder la télé. Sébastien, Christophe, est-ce que vous avez répondu? 31 ont déjà vu un voisin tunu. À Alexis, Edouard. 40. Ça semble un peu beaucoup pour le public, mais la réponse est de 19. Mais nos amis luxembourgeois sont à la fête. Alexis Edouard perd un pote, malheureusement, qui s'en va, mais qui reste avec nous. La question suivante va nous parler de spécialité, mais anglaise. On appelle ça des autoroutes. Quelle est en kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes anglaises? Ah,
19, Raphaël. 110. 110. Seb, stop. 111. Alex Edouard. 110. Ah, pas mal. Pas mal. La réponse est de... Parce que ça doit être en miles. Ouh là là, 112, Sébastien Christophe. Rappelez-nous pourquoi 112 km/h très rapidement. Oui, ça ne correspond pas à un chiffre précis en km/h parce que ce sont des miles. Alors ça correspond à 70 miles à l'heure. Miles per hour. MPH, miles per hour. Ah oui, très très bien, très très sympa. Et on va perdre nos deux étudiants, Alexis et Edouard. Même pas. On va embrasser quand même votre prof Moumout. Parce qu'effectivement, vous étiez à égalité, mais donc ce seront les Luxembourgeois sur la marche suivante qui seront opposés à nos rugbymen. Les voisins. Alexis et Edouard, pour vous. Vous allez vous amuser. J'y suis allé, je me suis amusé. Pour vous, je vous en mets 4. Ça vous va? Et pour vous aussi. C'est-à-dire qu'avec tous vos potes, en école de commerce, vous allez vous éclater à Marne-la-Vallée, à 8. Oh yes. Yes. Ah yes, yes, yes. Et je dis bienvenue à tout le public sur la deuxième marche. Il y a l'angle, le luxembourgeois, on parle le luxembourgeois. D'accord. Vous parlez plusieurs langues ou pas? 6. Vous parlez 6 langues. C'est-à-dire vous parlez le... Luxembourgeois, oui. L'allemand, oui. Français, oui. L'anglais, oui. L'italien, oui. Et le portugais. Alors, juste, monsieur Raphaël, moi ça m'épate. Là, vous avez un numéro de téléphone, vous voyez, pour que les gens téléphonent, pour gagner 1000 euros et tirer au sort. Est-ce que vous pouvez être notre nouveau speakerin et parler en luxembourgeois? Vous composez soit là, ou alors après, bien sûr, il y a les SMS. D'abord, c'est le téléphone, allez-y. Also, für ein Matzemar ruft da un 08 97 66 4000. Très bien, alors, les SMS. SMS 62 500. D'accord, et il faut taper marche sur les claviers, vous savez, M-A-R-C-V-A. Ah, für anzuschreiben, für dich marche, andrecken, und dann 62 500 an envoyer. Et voilà. Hein? J'y reste bouche bée, Raphaël. Hein? Ah, comment on dirait en luxembourgeois, vide-grenier ou brocante ou... Vous voyez, parce que c'est... Vous voyez les brocantes? Flow-moite. 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 Il y en a des flottemalt. Il y en a? Oh, ganz viel, s'il vous plaît. Il y en a ganz viel, mais ça c'est de l'allemand. Hein. Non, c'est pareil. Oui, c'est luxembourgeois. Aussi? Oui, mais c'est un mélange entre français et allemand. Et allemand. Ah, ben je prêche le luxembourgeois aussi alors. Parce qu'il y a problème. Hein. Quand il y a problème. Moi, non. S'il y avait un objet qui appartient à Christophe que vous voudriez mettre à la brocante, ce serait quoi par exemple? Son maillot de l'OM. Son maillot de l'OM. Vous avez un maillot d'Olympique de Marseille. Et si vous aviez un objet de Raphaël à mettre à la brocante, ce serait... Son maillot de l'Italie. Son maillot de l'Italie, oui, mais je comprends. Vous, Sébastien, un truc... Son ordinateur. Son ordinateur. Ah ouais, parce qu'il rame, son truc. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est-à-dire? Ah bah, si vous voulez jouer à un jeu de foot, on dirait des petits vieux avec des cannes, hein, qui jouent dessus. Hein, ah oui, oui. C'est... Ah ouais, non, mais c'est voisin, voisine. Et vous, Christophe? Moi, Sébastien. Un vieux short de rugby qui est là, chez lui. C'est-à-dire? Qui est tout troué et tout. Pourquoi vous gardez un short troué, vous? C'est sentimental. Vous faites du sentiment avec votre short? Ouais. C'est-à-dire, il est... C'est-à-dire que c'est un short avec lequel je me suis explosé le genou, alors ça reste... Ah, ça reste vraiment un bon souvenir. Ouais, voilà. Attendez, quoi. C'est génial. On rappelle juste que ce sont les voisins-voisines, bien sûr. On va... Et là, ce sont des voisins-voisins, parce que malheureusement, les filles ne sont pas là. Ah et oui, les garçons ont gagné. En revanche, la première question nous dit sur 100 Français, combien ont déjà participé à un vide-grenier? C'est le moment. Ça commence à bourgeonne partout en France.
Et je fais hommage, mardi 27 mai dernier, c'était la soirée, enfin la journée des immeubles en fête, la fête des voisins. Eh bien oui, c'est pour ça que nous le fêtons en ce week-end. Et il y a eu 2 millions de Français qui ont participé, hein, le but étant de faire connaissance avec ses voisins, de développer la convivialité. Ça se développe chaque midi à la télé, on appellera sous le soleil de midi. Raphaël et Stoff, vous dites 53. 53. Pour vous, c'est le jeu du plus ou du moins. Raphaël, plus ou moins, ça se dit comment en luxembourgeois? Plus minus. Plus minus. Plus minus. Ma plouche. Ma plouche. Ma plouche. Ma plouche. Ma plouche. Est-ce que c'est plus un vide-grenier qui ont déjà participé à... en tant que... Ah non, 42. C'est minouche. Ah, c'est minouche. Ah, c'est minouche. Bon. Je vais... Je veux dire, si votre voisin, là, était un animal, oui, un animal, Raphaël, Christophe, ce serait un... Un chien. J'aime bien quand vous dites un chien comme ça. Pourquoi un chien? Un labrador. Pourquoi un labrador? Parce qu'il adore ça. Il adore les labradors? OK. Et vous, Christophe? Une vipère. Parce qu'il est... Qu'est-ce qu'il y a? Il est un peu... Il est un peu... Ouais. C'est vrai que vous avez un côté un petit peu. Seb, Christophe serait... Une poule. Ah ouais? C'est une poule, ouais. À cause de... Bah en fait, ça vient d'une histoire d'un entraîneur avec un esprit assez fertile, n'est-ce pas? Qui trouvait en mon copain une poule en train de courir sur un terrain. Christophe, viens venir voir ici, s'il vous plaît. Venez voir, excusez-moi. Donc, vous êtes une poule. Ouais. OK. Vous allez courir sur le plateau. Et nos cadreurs vont vous suivre. Donc, vous allez commencer là. Je le dis pour la réalisation. Attention à la marche. Attention à la marche. Ça se passe comme ça. Tu fais attention, il va courir. Et on va savoir si vraiment il ressemble à une poule. Vous êtes prêts? Allez-y. Allez-y. Dans les poules. C'est vrai que... Par ici, par ici, revenez, revenez. C'est vrai que maintenant que l'entraîneur, c'est effectivement... Mais c'était après une soirée bien arrosée, je crois. Ah ouais, bah ouais. À mon avis... Mais même sans l'arroser, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est bien. Question deuxième. Nous dit, quel est en mètre la hauteur du lion? J'ai une faim, moi, à midi. De Belfort. Ah, Belfort, c'est pas loin du Luxembourg. C'est la question. Alors, sans compter le piédestal, hein, c'est ça, mon ami. Nous parlons effectivement celui de Belfort, qui est en grès rose, créé par le sculpteur Bartholdi. Sans compter le pied, hein. Sébastien, Christophe. 25, 26 mois. C'est où? Il y a 2 mètres... 10. La hauteur du lion. 2 mètres 10. Alors, un chiffre rond, soit 2 mètres, soit 3 mètres. 3 mètres alors. 3 mètres alors, bien. Christophe, Raphaël. Plus. Vous diriez plus? Ouais. Vous le connaissez ce lion, non? Non. Alors, il y a une copie à Paris, hein, sur la place d'Enfer Rochereau. D'accord. Il symbolise toujours d'ailleurs la résistance de la ville aux Prussiens pendant la guerre de 1870. Bien, et ce lion en mètres est de... 11 mètres, c'est même beaucoup plus. Le Luxembourg se porte un peu mieux. Week-end de voisins. On va parler de voisins de plage. L'élément indispensable pour être sur une plage, Raphaël, pour vous, c'est... Maison ne brûle. Le? Maison ne brûle. Maison ne brûle. Bien sûr, bien sûr. Maison de Breul, c'est... Lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Maison de Breul. Le soleil brûle, en fait. Zone de Breul. C'est ça. Christophe, l'élément indispensable est de... La crème solaire. La crème solaire. Ah ouais. Ça se dit en luxembourgeois... Zone de crème. Zone de crème. Mais attends, mais c'est normal tout ça. Sébastien, sur la plage... Le monoï aussi. Le monoï. Ah ouais. Et ça se dit en luxembourgeois... Mon œil, oui, oui. Lunettes de soleil et mon œil. Mon œil. La question suivante est en musique. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Salut les filles. Salut les garçons. Les enfants qui balancent.
combien aiment écouter les discussions de leurs voisins de plage? Tu m'en vois, je crois. Mais c'est le numéro fétiche. Raphaël, Christophe? 32. 32 aiment bien. Alors vous, quand vous allez à la plage ou à la mer du Luxembourg, le plus proche, c'est la Belgique ou c'est... Ouais, c'est la Belgique. La Belgique? Ostende. Ostende. Bien. Sébastien, Christophe? Plus. Plouche, Minouche? Ah, Plouche, Minouche. Hein. Plouche, Minouche? Plouche? Plouche. 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 La réponse est de... Ah oui, les Français à 45, ah oui, c'est Plouche. Question suivante. Nous dit en quelle année fut ouvert le parc d'attractions du Futuroscope. Vous le voyez vers Poitiers. En quelle année, Seb, Christophe, c'est à vous. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Comme son nom l'indique, on y voit des attractions du futur. Futur, futur, scoper, regarder, Futuroscope. Regardez le futur. Seb, Christophe. Moi, j'ai été en 1988. 1988. Plouche, mais non. Non, Sacha. Moins. Monsieur. Raphaël, vous avez pas l'air sûr là, hein? Et la réponse, Minouche, est de... 87, vous montez sur l'escalier, tous les deux, les copains, les voisins. Mais c'est super, bravo. On peut faire une ovation à nos rugbymen. Et pour la mi-temps, écoutez bien, pour vous, chacun, on vous offre un mini-frigo. Chacun, c'est très sympa. Vous dînez très ce que vous voulez, évidemment. Vous voyez le rapport. Eh bien, ce sont nos premiers luxembourgeois que nous recevrons sur l'escalier. Comment on dit attention à la marche en luxembourgeois? Pas op den trap, les gars. Pardon, excusez-moi. Pas op den trap, les gars. Voilà. Et l'escalier, ça se dit? Trap. Trap. Eh bien, écoutez, bienvenue à la trappe. Ah, on commence. Vous connaissez les euros, obligatoirement, également au Luxembourg. Eh bien, nous vous en offrons, mais des Français, 250. Merci. Et puis, sans plus attendre, Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Je suis facteur. Facteur? Au Luxembourg, à Luxembourgville. À Luxembourgville, facteur. Ouais, ouais. Et vous-même? Je suis employé privé à la mairie de Pétange, Luxembourg. De Pétange? Oui. D'accord. Et comment appelle-t-on les habitants de Pétange? Pétainard. Des Pétainards. C'est peut-être bien pour la poste en ce qui vous concerne sur la première marche. Allez les enfants, la guitare pour les petits, allez-y. À partir de lundi, dans toutes les postes, le timbre coûtera 48 ou 50 centimes d'euros. À partir de lundi. Fofch. Comment vous dites? Fofch. Fofch. 50. 50. C'est... Mais c'est la bonne réponse, mais ça commence bien, c'est à partir de lundi. On passe de 46 à 50, hein, c'est ça? C'est cela, Jean-Luc. Eh bien, 50 multiplié par 10, c'est égal 500 euros pour vous, les garçons. Merci. Les questions sont faites avant, je tiens à le préciser à tous. Et là, ça peut également vous arranger. Nous partons destination Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Quand je dis Amsterdam, je vais parler même de la Hollande. Chez nos voisins hollandais, il y a 8 ou 16 millions de vélos recensés. Je vous laisse réfléchir. Je rappelle qu'il y a pour vous le Stickertürs. Flumdus Dumbelzins.
0897 66 4000. Ça marche même le week-end. Que vous soyez voisin, voisine, copain, copine, maman, papa, ou si vous êtes seul, vous ne le serez plus à la fin de l'émission, puisque si vous êtes tiré au sort, il y aura peut-être 1000 euros. Alors je rappelle que ce week-end, c'est l'opération Tous à vélo en France. Tous à vélo. Rangez les voitures, prenez vos vélos. La semaine dernière, c'était tous dans les cages d'escalier. Absolument. Cette semaine, c'est tous à vélo. Lundi, c'est on change de timbre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment comme truc, hein? Est-ce que vous avez... Heart. Love my boy heart. Qu'est-ce qu'il y a? I love my heart. Oui, mignon. Oui, mignon. Vous êtes sûr? Non. Non. Mais on dit 8. Parce que vous dites pas 8, vous? Si, là. Bon. Si, heart. On met heart. 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 Et bien alors là, ça va pas durer 8 minutes, mais 2 ou 3 drei. Car c'est la publicité. Ah. Comment ça se dit, la publicité? Réclame. Réclame. Passons, c'est la réclame. Je m'en allais chercher des soies, du côté de fouiller les soies, à bicyclette. À bicyclette chez nos voisins hollandais, il y a-t-il 8, il y a-t-il 16 millions de vélos? En compagnie quand même de deux voisins, puisque c'était la fête, tout le monde descendait dans les escaliers et dans les immeubles la semaine dernière. Deux voisins super sympas qui se prénomment Christophe et Raphaël. Deux amis luxembourgeois. Vous êtes venus exprès du Luxembourg pour venir nous voir? Oui. Et vous repartez... Après l'émission. Après l'émission, ça c'est très très gentil. Vraiment, merci. Vous avez répondu... 8 millions. 8 millions de vélos. Combien d'habitants aux Pays-Bas? Il y a 16 millions d'habitants aux Pays-Bas. Ah. Or, il y a un vélo par habitant, ce qui fait qu'il y a 16 millions de vélos aux Pays-Bas. On garde les 500 euros, bien sûr, offerts gracieusement. Et l'on tente, bien sûr, les 1000 euros. Vous défendez qui en équipe de football? Marseille. 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 Et vous? Juventus de Turin. Juventus de Turin. Et là, on va partir au Parc des Princes. Attendez, mais c'est le Parc des Princes. On va pas parler du PSG. Ah. J'aime bien dans le public, c'est... Ah, c'est mitigé, hein, football, hein. Eh ben, on part en Parc des Princes. La finale de la Coupe de France de football s'est jouée combien de fois au Parc des Princes? Soit 35 fois, soit 55 fois. Je rappelle d'ailleurs que ce soir, c'est la finale de la Coupe de France. De football. De football. Mais au Stade de France, pas au Parc des Princes. Eh oui, donc ce n'est pas exactement la même question, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, c'est au Stade de France. Absolument. Je pense 35, mais... Vous pensez 35? Ah, que 35. D'accord, ben on valide. On demande au téléspectateur qui a téléphoné, qui est là. Allô, bonjour? Allô? Bonjour, qui est là? Bonjour, c'est Monique des Andelys, de l'Eure. Monique des Andelys? De l'Eure, oui. Eh bien, il est l'heure de vous offrir 500 euros, Monique! Merci. Car vous avez été tirée au sort, Monique, grâce au 0 897 66 4000. Monique? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos deux voisins luxembourgeois? Oui, je suis d'accord. Oui, oui. J'ai réfléchi, mais oui. Bon, vous réfléchissez à 35, ça vous irait? Ça m'irait tout à fait. Alors oui, que oui. Surfpot est en train de faire un petit mouvement d'équilibriste sur la marche. Si c'est la bonne réponse, Monique, vous empochez 1000 euros. Et les garçons, vous les empochez aussi. Est-ce 35 fois? Mais oui! Oh, c'est merveilleux! 1000 euros grâce à votre numéro de téléphone, Monique. Merci beaucoup, je vous remercie et bonne chance aux candidats et à ceux à venir. À très très bientôt. Et nous offrons bien sûr à nos luxembourgeois favoris, nos deux voisins de palier, les 1000 euros obligatoires et réglementaires. Nous allons tenter le quintuplet ici en ce week-end.
Et sous les caméras de mon ami et néanmoins ami, Jean-Jacques. Pardon ? On n'a plus le droit de fumer. On n'a plus le droit de fumer, ouais. Effectivement. Au Luxembourg, c'est la même chose ou pas ? Non. Ah, on peut fumer dans les endroits publics ? Non. Ah. Mais nous, on a une loi qui interdit les lieux publics, les aéroports, les postes, les mairies, etc. etc. Nous sommes d'accord ? Ouais. C'est la loi Evin. La fameuse loi Evin, en quelle année est-elle intervenue ? Instauration de la loi en première possibilité. 1992, vous dites ? C'est ce que je pensais. Vous pensez 92 ? Ouais. Vous pensiez 92 ? Bon, je sais pas. Deuxième possibilité, 94. Troisième possibilité, 96, où la loi Evin, donc, instauration de l'interdiction de fumer dans les lieux publics en France. Ah, vraiment, je suis stupide. 98, non. Non. Apparemment, non. C'est mieux, on ouvre notre vrai. Mais t'as suivi ta formule. Je vais savoir faire. Trousse de vache, comment ta formule. Si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, c'est normal. Nous allons mettre des sous-titres. Bien sûr. Première possibilité. 1992. Non, c'est pas un nom. 1992. Donc ça, c'est votre première possibilité. Ouais. Bien. On se retourne vers le public. Vers nos amis rugbymen, les deux voisins également. Ça va, les copains ou... oh, bon. Si toutefois... Vous êtes d'accord, les rugbymen, ou pas? Non, trop non. Vous n'êtes pas d'accord? Si le public est d'accord avec la réponse émise, validée, vous êtes prié de vous lever. 92... Il y a 30% qui sont d'accord, 30% du public qui est d'accord avec vous. Un tiers s'est levé. C'est Crédit Liche, c'est délicat. C'est votre premier choix. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer une fois ou pas ou garder. Qu'est-ce que vous choisissez ? Allez. Allô ? 96. 96. 96. OK. Il y a 5000 euros à la clé. Première case que vous voulez dévoiler pour savoir s'il y a 5000 euros derrière. 92. 92. Y a-t-il 5000 euros ? C'était votre premier choix. Ça va, Christophe ? Ça va, Raphaël ? Ouais. Allez, on y va. On y va ? On y va. Faut bien. La case se dévoile. Le public, c'est le public qui les a fait perdre. Il est triste, mais ça... Toi, serais-je ? Ça va aller. On peut quand même les applaudir fort, car on leur offre 1000 euros. Eh oui. De temps en temps, vous savez, la première impression est la bonne, comme disait ma grand-mère. On peut souhaiter quand même un bon appétit à tout le monde. Bon appétit dans le club. On s'est bien amusé. Super bien. Ça va. Vous reviendrez. Ah oui, c'est clair. Et bien avec un grand plaisir. Merci, c'était spécial le voisin ce week-end. Qu'est-ce que c'est un dessin que tu m'as fait? C'est génial! Oh, ça doit être... Oh là là, regardez comme c'est joli! C'est Zizi Pot, attention à la marche! Et comme c'est beau! Bon week-end!